Bien, mesdames, messieurs, nous reprenons avec un peu de... on se demande de quelle faction syrienne vient cette tentative d'attentat qui, heureusement, a été déjouée. Donc, nous commençons avec un peu de retard. Comme je vous l'ai dit ce matin, Monsieur Zarif, pour des raisons familiales graves, a été retenu à Téhéran, et Monsieur Ali Ahani, ambassadeur de la République islamique à Paris et à Monaco, va d'abord nous lire un message de sa part, et ensuite nous aurons une petite discussion. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier Thierry de Montbrial et son équipe pour organiser cette conférence bien importante, et son initiative et son invitation. Je suis représenté par mon ministre des Affaires étrangères qui m'a demandé de lire son message adressé à vous. Et après, on sera avec Thierry à votre disposition. C'est le message de Zarif que je vais le lire. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je devais avoir le privilège de me trouver parmi vous, mais des circonstances totalement indépendantes de ma volonté m'ont privé de ce plaisir. En effet, alors que je vous écris ces quelques lignes, ma mère se trouve dans un état grave au service des soins intensifs et la grande affection que je porte pour ma mère m'empêche de m'éloigner d'elle et je suis sûr de pouvoir compter sur votre compréhension. Aussi, j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur pour mon absence. Sachez que la déception de ne pas me trouver parmi vous est d'autant plus grande que les nouvelles conditions politiques et les événements majeurs qui se sont produits sur la scène internationale en relation avec l'Iran rendent plus que jamais indispensable de mener un véritable effort d'explication. Aussi, j'ai demandé à notre ambassadeur à Paris, qui est également l'ambassadeur accrédité de notre pays auprès de la principauté de Monaco, de bien vouloir me représenter parmi vous aujourd'hui. Je tiens à souligner qu'une nouvelle page est en cours d'écriture dans les relations entre la République islamique d'Iran et les pays occidentaux. L'élection présidentielle de juin 2013 et la victoire du président Rouhani avec près de 73% des votes a ouvert la voie vers une nouvelle période dans les relations internationales de la République islamique d'Iran, marquée par notre désir de dialogue, de transparence et d'interaction avec les pays occidentaux sur la base de l'équité et du respect mutuel, et œuvrer ensemble pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Ainsi, les négociations qui ont débuté avec les pays de 5+1 par la suite et l'accord nucléaire de Genève du 24 novembre 2013 a ouvert la voie pour rétablir la confiance entre l'Iran et les pays de 5+1. Or, n'oublions jamais que la confiance est un chemin à double sens. Aujourd'hui, les crises régionales et internationales exigent de nous tous d'avoir le sens des responsabilités et de coopérer ensemble pour rétablir à nouveau la paix et la stabilité. Je tiens encore une fois à vous présenter mes regrets pour n'avoir pas pu être parmi vous aujourd'hui et je formule tous mes voeux pour la réussite de World Policy Conference. Avec tous mes respects, Javad Zarif. Bon, merci beaucoup. Bien, merci Ali. Et je crois que la première chose, c'est de vous demander de transmettre au ministre tous nos voeux pour sa mère. Alors, nous allons avoir une petite discussion et je crois qu'on pourrait peut-être commencer par la notion de confiance. Et effectivement, lorsque nous avons reçu à l'IFRI le ministre Zarif il n'y a pas très longtemps, il avait aussi beaucoup parlé de cette notion de confiance. Et la confiance, en effet, ça prend du temps à établir. Et je connais beaucoup de personnes, y compris dans cette salle, je ne dirais pas leur nom ni même leur nationalité pour ne pas les trahir,
qui considèrent qu'en réalité, rien ne change en Iran, mais que tout cela, ce sont des mouvements tactiques, mais que le je ne sais pas s'il faut dire l'ours ou le loup iranien continue à vouloir avaler tout ce qu'il peut avaler au Liban, par exemple. Alors, comment et qu'est-ce qu'on peut faire et combien de temps ça prendra pour rétablir cette fameuse confiance ? D'autant plus d'ailleurs que c'est une notion à deux sens, puisque je comprends aussi que du point de vue iranien, il y a un problème de confiance, par exemple, vis-à-vis des États-Unis et pas seulement. Bon, vous savez très bien qu'en Iran, nous avons un modèle de démocratie qui est unique, qui est basé sur la religion, qui est une notion qui est des fois difficile à comprendre bien, surtout dans un pays laïque comme la France. Mais nous avons un bilan de 34 ans derrière nous concernant ce modèle de démocratie. Nous avons l'élection présidentielle qui est bien passée récemment avec une participation bien forte, dont le résultat a été la victoire de Rouhani. Ce qui n'était pas tout à fait attendu, même en Iran, au moins à propos du premier tour de l'élection. Mais c'est la voie du peuple, c'est la voie de démocratie qu'il a choisie. Rouhani, concernant ses expériences, son ouverture et ses promesses d'appliquer et d'avoir certaines réformes, soit économiques, soit sociales, soit politique, a pu attirer la confiance du peuple iranien et il travaille dans ce sens. Concernant cette bonne volonté et cette politique, a pu accélérer au moins la négociation avec 5+1 qui a été relativement bien passée. On est arrivé à l'accord intérimaire du 24 novembre à Genève, qui permettra, bien entendu, d'aller en avant en garantissant la continuité de notre programme nucléaire tout à fait civil et l'enrichissement civil en Iran, sous la surveillance de l'agence, bien que nous sommes parmi les premiers signataires du TNP. Et dans ce sens, on peut donner des assurances pour éliminer complètement des inquiétudes qui existent à propos de ce programme nucléaire pour que ce programme restera pour toujours civil, ce qui est important, qui est une inquiétude pour 5+1. Selon cet accord, il y a certains engagements pour l'un et l'autre. Il faut être attentif pour construire et créer la confiance, pour démontrer bien à notre opinion publique qui a été bien touchée, qui a de méfiance à l'égard des pays occidentaux, qui a subi des souffrances à propos des sanctions illégales qui ont été imposées à notre peuple, de pouvoir appliquer bien cet accord en respectant bien l'un et l'autre les engagements qui ont été considérés. Et s'il arrive à l'appliquer, bien entendu, on peut aller en avant en essayant de consolider cette confiance et d'ouvrir la porte le plus ouvert pour avoir une relation bien diversifiée avec tout le monde, ce qui a été prononcé de la part du président Rouhani, qu'il désire de consolider la relation avec tout le monde, particulièrement avec les voisins, et aussi avec les autres pays sur la base de respect mutuel. Et nous sommes tout à fait disponibles. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé au vice-premier ministre turc, Ali Babacan, si le fait que ces négociations 5+1 aient démarré sous des auspices prometteurs pouvait faciliter un règlement de la question syrienne.
Et d'ailleurs, d'autres problèmes aussi au Moyen-Orient, puisque le désordre existe également en Irak, par exemple, et même d'ailleurs en Afghanistan, qui sont des pays où le concours de l'Iran est indispensable pour toute forme de solution viable. Et Ali Babadjan a répondu à cette question en disant qu'il fallait garder chaque négociation pour elle-même. C'est-à-dire qu'il fallait séparer la question de la négociation sur les nucléaires, la séparer du reste. Comment auriez-vous répondu à cette question ? Soyons réalistes. Regardez, c'est vrai, le volet nucléaire est indépendant. Il faut travailler de le régler. Mais si on arrive à régler ce dossier, considérant les acteurs qui sont dedans, les pays 5 plus 1, ayant leur rôle à propos des différents sujets internationaux ainsi que la Syrie, si on arrive à consolider la confiance entre les différents acteurs concernés à cet accord, bien entendu, indirectement, aura de ses effets pour le règlement des autres problèmes régionaux et internationaux. Est-ce que vous voyez un risque de sérieux de dérapage dans ce processus qui pourrait venir de l'intérieur de l'Iran et de l'opposition? On a vu d'ailleurs que le ministre Zarif lui-même s'est fait assez sérieusement secouer encore récemment à Téhéran. Regardez, cet accord a bien entendu des opposants, soit en Iran, soit hors de l'Iran. Il faut être attentif. Oui, le président Rouhani ainsi que Zarif, ils sont sous la pression de la part de certains courants qui sont contre. Surtout qu'ils sont très méfiants à l'égard de la sincérité des Américains. C'est la racine de cette opposition, si vous voulez, qu'ils disent qu'il faut pas, on ne peut pas faire confiance aux Américains. Si on arrive à appliquer bien soigneusement cet accord, on peut apaiser le climat, on peut aller en avant. Il faut être attentif pour ne pas faire compliquer les choses, parce que concernant cet accord, chacun ayant ses engagements, l'un, par exemple, de ne pas ajouter des sanctions. Si on sera témoin de certaines démarches de la part du Congrès américain ou les autres, de renforcer encore, d'ajouter encore des sanctions, ça peut donner un atout aux opposants en Iran et hors de l'Iran de dire, voilà, c'est la sincérité d'essayer de le montrer. Comment on peut faire confiance? C'est ça qu'il faut être bien attentif. Je voudrais aussi vous poser une question peut-être un peu plus délicate et plus inattendue. Dans mon expérience personnelle, et je suppose celle de beaucoup des personnalités rassemblées dans cette pièce, est que dans la vie internationale, il est très important que les leaders se rencontrent, se connaissent, même se connaissent physiquement, puissent se parler, et que pour rétablir la confiance, c'est parfois après s'être parfois copieusement d'ailleurs disputé que l'on finit par créer un nouveau climat qui permet de progresser. Or, le système iranien fait que le guide suprême est totalement à l'écart, ou presque totalement à l'écart de la vie internationale. À ma connaissance, le guide Khamenei, l'ayatollah Khamenei, rencontre extrêmement peu d'étrangers. Je me demande parfois cette forme d'isolement n'est pas un handicap pour la normalisation des relations de l'Iran avec ce qu'on appelle la communauté internationale. Bon, je dois corriger votre information, peut-être. Le guide suprême de la révolution islamique suit très sérieusement et soigneusement
des événements internationaux. Il est bien, disons, fort dans cet aspect. Il reçoit tous les chefs d'État, chefs de gouvernement qui viennent en Iran. Il est en contact avec eux, et ils sont heureux aussi, d'être reçus. Et il continue, il a son rôle, il connaît bien la scène internationale. Il était le président de la République, qui là où ses visites ici et là, bon, concernant sa position qui est au-delà des gouvernements ou des chefs d'État, il y a un empêchement pour le déplacement, mais ça ne signifie pas qu'il est isolé. Il est toujours en forme, il reçoit toujours des autres délégations qui viennent en Iran. Dans cet aspect, il faut être bien, disons, informé qu'il continue bien à analyser les choses. Et il a son analyse et aussi son rôle. Mais il ne voyage pas à l'extérieur de l'Iran. Bon, ça signifie pas qu'il est isolé. Bon, s'il y aura, disons, des chefs d'État en Iran, bien entendu, il le reçoit et il est en contact. Bien, dernière question avant d'élargir le débat. Nous avons parlé de la Syrie, vous en avez parlé un peu à la conférence de presse juste avant. Quel type de solution peut-on imaginer pour la résolution, au moins à court ou moyen terme, de la crise syrienne? Quel type de solution qui aurait un caractère, un minimum de caractère démocratique? Vous savez très bien, la situation en Syrie est vraiment devenue trop compliquée. Il faut être réaliste, il faut diriger les choses dans la voie démocratique, bien entendu. Il faut essayer d'encourager tous les partis concernés, tous les pays, qu'ils ont leur rôle d'être coopératifs pour arriver à certains objectifs. D'abord, le plus important, c'est l'arrêt de la confrontation actuelle qui existe. Deuxième, c'est l'arrêter des actes terroristes en Syrie et d'essayer de préparer le terrain pour que les éléments terroristes soutenus par l'un et l'autre soient quittés. Ils soient hors de la Syrie pour préparer le terrain pour que tous les groupes concernés, soit les groupes intérieurs, soit extérieurs, qui sont vraiment de l'origine syrienne. Il y en a certains éléments, certains opposants qui sont venus de l'étranger. Dans le cas actuel, il y en a des djihadistes qui combattent, qui sont venus de plus de 80 pays. Ils ne sont pas là pour stabiliser, pour garantir l'intégralité territoriale de la Syrie. Ils sont dangereux, il faut qu'ils quittent. Il faut préparer le terrain. La conférence de Genève 2 peut être une opportunité d'aller dans ce sens, d'encourager toutes les parties concernées, tous les groupes d'opposition pacifiste, venir à table, négocier ensemble, pour arriver à une solution syrienne. Il ne faut pas donner cette perception au peuple syrien que l'un ou l'autre pays décide pour eux. Ils sont bien maturés, mais il faut être réaliste, il ne faut pas préconditionner cette conférence. Il faut encourager tout le monde à venir à table. Et en ce qui nous concerne, nous essayons d'être coopératifs, d'être un élément constructif et stabilisateur pour la Syrie, qui est important non seulement pour le peuple syrien, et aussi la déstabilisation en Syrie peut contaminer facilement dans les autres pays de la région, qui est un grand danger pour tout le monde. Je vous remercie. Nous allons maintenant nous donner un petit quart d'heure de questions-réponses. Qui souhaite intervenir en premier? Alors, j'aperçois, allez, d'abord au fond, je voudrais repérer Jim Hoagland. Thank you.
Monsieur l'ambassadeur, dans l'esprit bilingue de World Policy Conference. Can you say it in French? Ça simplifierait pour lui. Bon, d'accord. Parce que il y a des Iraniens qui préfèrent parler français. Non, je comprends, si vous voulez. Voilà. Il y a même des Américains qui aiment bien parler français voilà, aussi. Voilà, justement. Et c'est pour ça que je cite l'esprit bilingue de cette conférence. Michel l'ambassadeur, à Washington, quand on parle avec les assistants du président à la Maison-Blanche, il dit assez clairement que une des raisons principales pour signer l'accord avec l'Iran, c'est qu'il pense que ça va encourager et ça va impressionner, ça va plutôt donner plus de pouvoir à le gouvernement Rouhani. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a fait cet effet jusqu'à maintenant? Et quelle est votre vue sur le... Est-ce que c'est réaliste de penser comme ça? Bon, la signature ou arriver à un compromis sur un accord, c'est un pas important. Mais ce qui est le plus important, c'est l'avancement de l'application de cet accord. Bien entendu, tous les membres de 5+1, ils ont eu leur rôle important. Et on est arrivé à cet accord, qui est un accord gagnant-gagnant. Ça veut dire que ça peut garantir et reconnaître notre droit tout à fait légitime de profiter de ce programme nucléaire et d'enrichissement d'uranium tout à fait civil sous la surveillance de l'Agence internationale d'énergie atomique et en même temps donner de bonnes garanties que ce programme restera pour toujours civil, qui est important pour 5+1 et pour la communauté internationale, ce qui est notre politique, bien entendu. Mais il faut éliminer les inquiétudes qui existent. Et nous sommes tout à fait résolus dans cet aspect. Et en même temps, il y en a certains engagements pour, d'autre côté, premièrement, d'assouplir des sanctions qu'ils ont imposées à l'Iran tout à fait illégalement, qu'ils ont fait subir le peuple iranien certaines souffrances, et par conséquent, ils ont créé certaines méfiances à leurs égards. Il faut le compenser. L'application précise de cet accord, ça peut permettre d'ouvrir la porte et de consolider la confiance. Et nous espérons que certains éléments américains, le Congrès ou les autres, n'essayeront pas de mettre le bâton dans les roues, comme vous dites, afin de pouvoir aller en avant, d'attirer la confiance du peuple iranien qui a été vraiment abîmé pendant le temps. Et dans ce sens, bien entendu, président Rouhani, qui a promis au peuple iranien avant son élection que, concernant ses expériences et sa connaissance, va suivre sérieusement de réguler ce dossier. S'il arrive à le réguler, bien entendu, ce sera un bon point, un point tout à fait positif pour son bilan. Karl Kaiser. Monsieur l'ambassadeur, vous disiez qu'il faut séparer les dossiers, le nucléaire, des autres. Non, c'est Babajan qui disait ça. Oui, c'est ce qu'on disait avant. Et je vois là un problème. Les origines de manque de confiance ne sont pas seulement la perception aux États-Unis du caractère qu'on considère militaire du programme nucléaire, mais aussi le comportement de l'Iran dans d'autres domaines, notamment le soutien des Hezbollah et de Hamas. Et ma question, c'est que, est-ce que vous voyez une possibilité d'aller au-delà des questions nucléaires et entamer des questions régionales de ce genre au cours des négociations dans l'avenir?
Bien entendu, si on arrive à régler ce dossier, on peut aller en avant. Nous avons déjà prouvé notre disponibilité, notre bonne volonté pour résoudre des contentieux, des crises régionales. Notre rôle à l'époque à propos de l'Afghanistan, à propos de l'Irak, a été bien clair. Et nous sommes toujours dans ce sens pour aider à calmer les crises régionales qui n'est pas du tout dans notre intérêt non plus. Et bien entendu, si on arrive à régler ce dossier, la porte peut être ouverte pour créer des confiances, pour essayer d'aider le peuple de ces pays concernant le rôle que nous pouvons jouer, qui est un rôle toujours stabilisateur. Concernant le Hezbollah, regardez, il faut être réaliste. Je ne veux pas dire que bon, Hezbollah, c'est un groupe, c'est une fraction politique au Liban qui a joué bien son rôle, qui est totalement différent de la position ou de la poids du Hezbollah à l'époque au Liban. Ils ont leur poids politique, ils ont leur rôle, ils ont bien prouvé leurs compétences pour défendre l'intégralité territoriale du Liban. Donc, ils doivent être bien respectés comme les autres groupes, ayant leur rôle, leur poids politique. Hamas aussi, si on croit à la démocratie, une voix, une vote, il faut le respecter dans tout le monde. Non seulement en Irak, non seulement au Liban, non seulement au Bahreïn, dans tout le monde. Il faut le respecter. Si on le respecte, on peut régler beaucoup de crises régionales. Alors, dernière question, puisqu'ensuite on va élargir, il va y avoir une table ronde plus large sur le Moyen-Orient. Alors, puisqu'on a mentionné le Hezbollah et le Liban, il y a le Liban en rang serré ici, et Riyad Tabet est le représentant naturel, si j'ai bien compris. Voilà. Légitime, c'est une autre question. Voilà. Il est du Liban. Il est du Liban. Monsieur l'ambassadeur, vous avez dit vous-même que l'Iran est une république démocratique, mais islamique. Bon, c'est un pays. L'Iran est un grand pays qui a une grande civilisation, mais c'est aussi un pays chiite. Et la communauté chiite qui fait allégeance aux guides dans différents pays de la région prime cette allégeance à l'allégeance au pays, ce qui crée un problème de conflit. Est-ce que l'Iran n'est pas en train d'utiliser cette communauté comme levier de puissance dans la région, ou peut-être de déstabilisation, ce qui fait craindre à beaucoup cette menace? Bon, nous sommes, comme vous dites, nous sommes un pays chiite, mais nous avons de bonnes relations, non seulement avec les pays qu'ils ont des chiites, mais aussi avec tous les pays qu'ils ont des sunnites ou qu'ils sont sunnites. Hamas n'est pas un groupe chiite. Nous avons nos principes. Nous considérons qu'il faut engager avec tout le monde sur les intérêts communs, sur le respect mutuel, soit chiite, soit sunnite. Le point important qu'il faut faire attention, c'est le danger d'extrémisme ou d'extrémistes auprès de l'un ou l'autre camp, que nous sommes tout à fait contre. Il faut condamner l'extrémiste, soit auprès des chiites, soit auprès des sunnites. Il faut être en contact, il faut essayer d'établir du dialogue, d'essayer de se comprendre, d'aller dans le sens de cohabitation entre les sunnites, les chiites, les juifs, les musulmans, les chrétiens,
il faut aller dans ce sens. Sinon, on ne peut pas régler les choses. Bien, alors hélas, on va interrompre la discussion, mais avant de passer, de faire monter les participants du panel sur le Moyen-Orient plus large, je voudrais vous raconter brièvement une anecdote. En 1990, donc il y a très exactement 23 ans, l'ambassadeur d'Iran à Paris s'appelait Ali Ahani. C'était lui. Bon, ça fait trois fois. Il est ambassadeur d'Iran à Paris pour la troisième fois. Bon. Et il m'avait invité en Iran. Et j'avais donc fait un voyage qui se passait au mois d'octobre 1990. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Il y avait eu au mois d'août l'invasion de Saddam Hussein, du Koweït par Saddam Hussein. Et à ce moment-là, les Américains commençaient à déployer leurs forces en Arabie Saoudite pour intervenir en Irak. Et je me souviendrai toujours, d'ailleurs je l'ai noté attentivement, d'une très longue réunion qui avait duré trois heures avec un Hojatul Islam dont j'ai oublié le nom, mais Ali nous le dira sûrement, qui était celui qui avait organisé la fameuse prise d'otage des Américains à Téhéran. Et cet Hojatul Islam il m'expliquait en se frottant les mains que les Américains allaient faire le travail qu'ils n'avaient pas réussi à faire pendant toute la guerre entre l'Irak et l'Iran, c'est-à-dire détruire l'équilibre qui s'était instauré en fait entre l'Irak et l'équilibre militaire qui s'était instauré entre l'Irak et l'Iran et le détruire au bénéfice de l'Iran. Et je crois qu'il faut tout de même rappeler que cette guerre de 1991, et puis naturellement celle de 2003, ont très largement contribué à déséquilibrer la région. Là, je parle un peu un langage kissingerien, mais certains, je pense, me le pardonneront. Bien, mesdames, messieurs, donc merci beaucoup. Merci, Ali. Et nous allons maintenant, je vais demander maintenant aux panélistes suivants de monter. S'il vous plaît, ne sortez pas, parce que nous avons pris un certain retard. Et donc j'invite les autres participants à monter et je voudrais aussi m'adresser aux panélistes de demain matin à 8h. I switch to English. Tomorrow morning the first session will be on Asia at 8 o'clock in the morning, and I ask all the panelists to meet 15 minutes earlier, that is a quarter to 8, in an office which is next to this room called the speaker's room, to talk with the moderator who is here, Michael Yeo from Malaysia. Okay, so quarter to 8 in the speaker's room. And the others, you are free to have breakfast with me at 5:30 a.m. But please don't forget to have had your bath before. Okay, so now I invite everybody to, the speakers to come here for the next session. Merci infiniment. Merci.